Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Media nan la, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Media nan. Et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Media nan la. Bien, nous va pas perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. N'a pas salué toute population avec membre la presse avec nous à soir. Je suis là pour dire nous, après toute attaque qui était faite sur plusieurs sous-commissariats et antennes de la police nationale dans la zone métropolitaine, côté des bandits qui attaqué le commissariat, assassiné lâchement des policiers et des corps des policiers qu'on a cherché toujours. Suite à la disposition que nous avons prise, pour enrayer le phénomène ça, la police, matin, est montée en opération pour nous reprendre contrôle sous commissariat Portail Saint-Joseph. Plusieurs unités spécialisées de la PNH étaient mobilisées et matin, bien bonheur, nous montons en opération. Et effectivement, après quelques minutes, la police a repris contrôle sous commissariat ça. Et par la suite, des bandits ont osé attaquer unité SAO qui était en dedans sous commissariat Portail Saint-Joseph. Et nous repoussons après des échanges avec eux, il y a des bandits là-dedans qui tombaient. Et nous avons continué à monter toute une série d'opérations pour nous reprendre contrôle sous commissariat que les bandits pensaient que nous allons continuer à attaquer. Dans la dernière déclaration que nous avons faite, nous demandé à la police, tous les policiers, de prendre disposition pour protéger la tête. Renforcer les mesures de sécurité autour de, en dedans et autour du commissariat. Yo. Et nous-mêmes, en tant que commandant-chef de la police, là, accompagné de toute unité spécialisée, nous avons continué à monter l'opération pour nous capables de protéger population, hein, voyez un signal fort par tout bandit qui pensait qu'il prend les policiers possible. Ce qui est passé dans le sous-commissariat Portail Saint-Joseph là, c'était un acte criminel qui a gagné une cruauté inexplicable. Côté des bandits, assassiné trois policiers et blessé une. Opération ça va continuer sous commissariat qui est dans la zone Cité Soleil et sous commissariat La Saline. Même Jean Noufel, sous route Matissa, côté la police a fait travail pour les dépopulations circuler sous AXA. C'est comme ça que nous allons faire sous toute grande action pour nous réduire, éliminer toute menace qui gagnait sous commissariat. J'en ai dit dernièrement, la police, là, en tant que détenteur du monopole de la violence légitime, a renforcé, a continué de travailler avec la population pour que l'y stopper, éliminer toute gang qui pensait qu'il n'y a qu'à continuer à semer le deuil et la désolation en deux populations. Message à clair, nous déterminer pour nous faire face à situation ça et demander tout policier renforcer mesures de sécurité pour nous protéger tête nous, renforcer tout commandant, renforcer mesures pour nous protéger commissariat et sous-commissariat et commandement avec toute aide gouvernement et population, nous avons continué à faire travail là pour nous stopper tout bandit qui a continué à attaquer nous. Merci. Et un premier ministre bien déterminé, avec ma chemise li toussé et en mode combattant qui mettait pied la terre une fois encore, objectif la rete même, booster policiers, encourager, motiver pour mettre bout dans le phénomène d'insécurité. A tout l'autre membre CSPN dans le côté, PM Claude Joseph vireron dans la ville, sorti Delma, passé mi-temps ville, joue bout Kafou Fleury.
dans le checkpoint, li fait ti camper, ti causer avec policier yo, yon manière pour connait conditions de travail yo, et puis ou accès SPN nan, comment résoudre problème yo. Là, nous avons finissement viré rond. Yon ti tête à tête entre premier ministre, ministre intérieur, ministre justice là, ak directeur la police là, yon façon pour garder ensemble qui prochaine étape dans la lutte yap mené contre phénomène d'insécurité. Comme d'habitude, nous connaissons depuis il y a un gros problème. Faut que moi-même, je vienne faire un petit palate. Et le commencement, saison cyclonique là, parce que le dérapé aujourd'hui. Hein. Pour me dire une cause à nous, sous problème coronavirus. Frères et sœurs haïtiens qui vivent dans le pays d'Haïti, ça cap vivre l'autre bord de l'eau, ça cap vivre l'autre bord frontière. Moi, je viens parler avec nous aujourd'hui. Hein. Pour me dire que bagaille yo grave en pile dans affaire coronavirus. Je félicite tout secteur dans la société pour gens qui travaillent ensemble pour aider le pays d'Haïti faire face à la pandémie coronavirus. De 19 mars 2020 à mois mai 2021, le travail là, il y a un bon résultat. D'ailleurs, nous faisons partie des pays qui peuvent bien gérer la pandémie coronavirus. Malgré les forces, le match n'a pas encore fini. Parce que de nouveaux dangers qui apparaissent sur nous. La maladie coronavirus là prend une nouvelle forme aujourd'hui qui est plus dangereuse. Songez le débat qui est dans le pays en mars 2020. Mais aujourd'hui, le coronavirus a fait petit. Ça veut dire que nous entendons parler des affaires variantes. Il faut que le peuple comprenne qui est variant. Ça veut dire que son autre genre maladie à venir, c'est ça variant. Les plus dangereux que j'ai entendu hier. Dans la zone pays d'Haïti, nous avons deux variants. Qui là? Yon, c'est variant brésilien, ça veut dire souche qui sortit au Brésil. L'autre là, c'est variant anglais, c'est souche qui sortit en Angleterre. Ça veut dire deux variants ça en Haïti depuis retour que nous avons considéré comme troisième vague là, parce que pas oublier, nous avons une première vague entre moi et mars. Et moi, juillet 2020. En deuxième vague, ça veut dire qu'il n'a pas frappé trop fort. Dans le mois de décembre 2020, il y a quelques personnes qui ont quelques cas, quelques problèmes dans le coronavirus, décembre, janvier. Mais troisième vague, ça qui commence dans le mois de mai, il est plus fragile. Ça veut dire qu'il vient avec des variants qui sont plus contagieux et qui tout. Yo tire moun pi vite. Et c'est pour raison ça yo pour protéger peuple là ou même cap garder m cap tande m là. Gon conseil des ministres spécial nous te fait dimanche passé hier encore nous font conseil des ministres spécial pour prendre une série de décisions. Même gens à 14 mars là, avec disons 19 mars 2020, m'a demandé collaboration tout le monde dans la société, dans le gouvernement fait contre le coronavirus. Qui c'est une plus grosse bataille que nous avons menée parce que c'est une bataille finale. Collaboration tout secteur, collaboration moun ki nan politique, côté dans l'opposition, que ou c'est moun ki nan ki pour le pouvoir, ou bien que ou te remè président, que ou pa remè, tout moun jodi a nous tout ensemble, c'est pour nous mettre main, pour nous capables de joindre bon gens, solution à la crise que le pays a traversé jodi a.
Nous renouvelons l'état d'urgence sanitaire pour 15 jours. Dans l'état d'urgence sanitaire, nous connaissons les affaires couvre-feu qui l'a toujours, qui commence de 10h, qui finit à 5h du matin. Et nous demandons à toute autorité, ça veut dire la justice avec la police, le ministère intérieur, tout le monde qui l'a pour ça, sécurité publique, pour nous mettre tête nous ensemble, pour nous capables de faire tout le monde respecter mes issues. Mesi qui prend pour interdire cérémonie de graduation, journée récréative, fête fin d'année scolaire qui qu'on fait dans l'école, il y a tout interdit. Mesi ça, l'État prend, c'est un objectif pour protéger les élèves et tout personnel éducatif pendant une période difficile. Ça. Côté coronavirus là a continué à faire victime. Maintenant des responsables de l'école pour voir Jésus Timoun yo. Timoun yo doit respecter les barrières. Faut laver les mains. Exiger pour toujours mettre masque, ça important. Et puis pas quitter au chita yon sous l'autre. Parce que faut pas oublier en pile l'anti moun yo qui prend maladie Jean gros mot français dit yo asymptomatique, ça veut dire yo pas gen symptôme, yo pas ou pas jamais même comprendre ni ouais que yo gen maladie a. Et pourtant c'est ça yo relé un porteur sain, et pourtant maladie a yo transmettre li ba grand moun, yo transmettre li ba tout l'autre monde. Moi, je crois que le ministre de l'Éducation nationale a commencé pour mesure, mais maintenant, dès le travail, pipé avec le directeur départemental éducation, inspecteur avec le directeur de l'école, pour mesure se respecter. Et puis pour l'école là-dedans, nous connaissons nos périodes d'examen pour le plus tôt que possible, si l'examen est capable de revenir en bout pour si les gens arrêter la caille. Je voulais faire un petit parler avec le chauffeur camionnette. Je suis dans la rue à moi. Il y a plein de gens qui respectent les mesures. Je connais nous qui levons plus bonheur pour prendre la rue, pour nous chercher la vie et pour nous faire service à la population. Mais je dis, vous avez intérêt aujourd'hui à vous-même qui chauffeur, mettez ma sport là en vent. Et puis marcher avec un petit bout d'alcool parce qu'on a touché le corps dans le monde. Pour mettre tête, on a habitué ça chaque temps. Il faut flitter les mains. Pour ces cas, ou pas même rendre compte qui l'a mis dans la figure. Mais là, ça, on a protégé la vie par avec la vie famille. Parce que chercher la vie, pas qu'à tourner, détruire la vie. J'aime toujours faire. À tout le monde qui sorti loin, 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 madame Sarah, yo. Ti machan yo. Moi, je voulais dire aujourd'hui, fuck, nous prenons précaution. Et j'aime nous prendre précaution, c'est là encore, même j'aime sous dire pour chauffeur camionnette, yo, nous commençons à comprendre, nous nous laver, mais nous, là, nous toucher, nous faut nous sortir l'argent, nous mettre dans sa quête, nous. Ou bien, nous avons un petit bout nous, pour nous passer dans mais nous. Pour éviter que l'un nous touche le visage nous, pour ne pas bailler tête nous, corona. Faut nous pas oublier mes amis, faut nous pas risquer la vie pas nous, pour nous pas risquer la vie de l'autre monde, à nous protéger l'un de l'autre, protéger la famille. Pas sortir si vous pas vraiment besoin. Parce que, rappelez-nous, quand on n'a pas là pour tout le temps, nous songeons tout conseil ça au côté qu'on baille dans le mois mai, juin 2020. Mais pour le fin mois juillet, tout le pays a été marché normal. Dans le mois d'août même,
bel bal, bel festival. Tout le monde est sorti, elle a fait champette, fait gelé, fait tigouave, fait au cap, fait ouanamet. Tout le monde est en fait parce que nous travaillons ensemble, nous faisons bonne gestion de Corona. En nous mettant en pratique depuis qu'on y a toute disposition autorité au point, c'est pour santé nous, c'est pour propre bien-être nous. Je dis à plus que jamais, nous devons agir avec prudence et puis avec bon sens. Moment ça, c'est le moment qui m'a donné pile solidarité. Solidarité avec les malades du tout. Famille, les amis qui sont malades. Pas oublier ou connaître ou pas arrêter pour elle. Ou bien si pour être pour elle, il faut mettre en masse. Il faut avoir un dispositif qui est là pour ça qu'on mette. Mais c'est pour nous un petit message pour qu'on ne nous pas abandonner. Personnel médical là. Moi connais ça arrive dans les oreilles moi. Gen nan nou qui jusqu'à présent qui gen arrivé nan prime que ou te gen pou te ban nou. Li rive dans les oreilles moi. Moi profite occasion pour demander ministre finance là k'ap gade m la k'ap tande moi. Pour le travail pressé avec le ministre de la Santé publique. Pour comment ce problème ça nous devons résoudre. Parce que les gens, c'est des gens qui sont en première ligne. Si nous ne pas encourager, nous ne pas encadrer, nous ne pas protéger, ça veut dire bataille ça, c'est pour une bataille, nous n'avons pas porter la victoire si nous ne pas encadrer ou protéger. Personnel soignant, connaît que nous avec nous. Nous connaissons la grave parce que il y a même l'hôpital qui dit qu'il est saturé. Ça veut dire que quantité de monde qui a recevoir, il est plein. Mais j'aime dire, quel que soit Jean, il ne faut nous pas oublier nous tous ces Haïtiens. Je dis, solidarité yon l'autre, quel que soit dans le camp côté, quel que soit le camp politique, moment arrivé pour nous capables de mettre tête nous ensemble. À tissu. Moi, songe gros coup de nous te baille dans la première vague qu'on a. Je dis à peuple à tant nous. Même si nous te fais, nous te permettre motivation pas nous. Parce que nous connaissons nous-mêmes, nous sommes des gens qui sont pile fanatiques, en pile monde qui marchent derrière nous. Footballeurs, tout le monde dans le secteur culturel là. Moi, je connais que le moment ça, bagarre là difficile pour nous. Parce que nous ne pouvons pas faire spectacle, pas de festival, pas de bal. Ça veut dire que nous avons un problème. Business n'a pas marché. Mais en nous ensemble mettre main avec le ministère de la Culture pour nous voir comment pour nous motiver le peuple sous mesure qui pour peur, qui pour permettre que Corona suspende vers le terrain. Parce que la vers le terrain et dans le sens de la vers le terrain, ce n'est pas bon pour nous. Je demande à tout le monde, quel que soit dans le camp encore côté au campé, en nous mettre ensemble. Pour nous capables de faire une chaîne de solidarité pour nous goûter contre le choléra. En vain malé, je profite l'occasion pour me dire tout le monde qui vivre dans le côté de la rivière, côté de la ravine, pour prendre précaution parce que nous avons une saison cyclonique. Ça veut dire, de 1er juin au 30 novembre, cyclone, gros la pluie, gros vent, capable de faire gros pile inondation, gros vent, bien doit porter en pile tête caille. Pour année ça, saison cyclonique, la tête chargée, d'après ça me donne. Mais pas oublier, c'est pour nous mettre tête nous ensemble, pour toujours mettre chaîne solidarité samedi. Même j'en songe en 2016, maintenant campagne, le cyclone de Mathieu passé, je songe comment nous tous mettre tête nous ensemble pour nous pour coller. À mon grand sud là. C'est même solidarité ça que m'a demandé aujourd'hui pour nous capables de commencer à partir de jeudi 1er juin pour arriver jusqu'à 30 novembre gérer problème cyclone parce que information que m'y a bien en pile tête chargée mais n'a goûté pour nous si on vient tout nous mêmes pour nous capables de supporter parce que c'est pour ça nous t'ai voté. Nous te votons pour me faire face à toute difficulté, bon côté nous, ensemble avec nous. Encore, je dis nous, les gens qui sont dans l'opposition,
ça qui n'a pas pouvoir, on nous mette tête nous ensemble. J'aime toujours dire, pour nous, moment difficile ça, si nous passons ensemble. Parce que le coronavirus, il n'y a pas besoin qu'on ait un parti politique. Il n'y a pas besoin qu'on ait un bon, il n'y a pas besoin qu'on ait une couleur, il n'y a pas besoin qu'on ait une richesse, il n'y a pas besoin qu'on ait une origine sociale. Qu'on a frappé tout le monde. Ça veut dire nous-mêmes, c'est peuple là, c'est pour nous mettre tête nous ensemble, pour bon gens solution jeune. Et encore, je dis nous connaissons frères et sœurs qui vivent loin. Nous avons toujours baillé, on s'est vu des noms, tête chargée. Je dis nous avons un petit secret. Parole, parole pour le comprendre. Ça fait théâtre. Nous avons une petite tête en pile. Pas oublier, continuer pour être nous. Parce que le résultat, c'est nature, parfois c'est lui qu'on porte au monde. Notre bataille, je connais que le Premier ministre profite de l'occasion pour moi remercier pour un pile d'efforts que moi le fait, le comité scientifique là, que lui réunit avec lui, et moi ouais que ça, c'est à partir de lui que nous prenons décision, que nous prenons hier soir. M'a dit comité scientifique là, nous voulons un gros coup de chapeau pour eux parce que c'est des gens qui, des Haïtiens, qui font un travail bénévole. Et pourtant, les gens qui comprennent, ils ont campé, ils ont toujours continué à travailler. Fonctionnaires publics qui sont dans le comité scientifique là, les gens qui sont dans le secteur privé là-dedans, socioprofessionnels, nous tous, nous voulons un gros coup de chapeau pour nous. Moi, profite l'occasion ça pour. Moi, demander des partenaires internationaux pour être capable de faire une avec le ministère de la Santé publique. Moi, je voulais parler de partenaires qui ont des affaires santé dans le pays. C'est pour nous faire une avec le ministère de la Santé publique sous l'ombrage de l'Organisation mondiale de santé, OMS, pour nous capables de gommer ensemble pour nous voir comment nous capoter une bonne solution à la crise qui a traversé le pays, la crise corona. Moi, je mets nous en pile. Frère Maxime qui est dans la diaspora, prends précaution, parce que moi je connais que bagaille n'est pas facile l'autre bord frontière avec l'autre bord de tout. En bataille pour que nous traversions ce moment ça ensemble. Moment difficile, mais pas oublier nous traverser ce moment qui est plus difficile de passer ça. Je dis à c'est dans la solidarité, c'est dans le courage, c'est dans la vie de l'autre, c'est dans le remède de l'autre, nous traverser ce moment difficile ça. Et je profite de l'occasion. Pour me dire vraiment quoi, action qui est en opposition, pas jamais oublier. Je dis toujours nous ça. Chita, pour nous parler ensemble, pour nous jouer une bonne manière, pour nous capables de mettre le pays sur le changement et le développement tout bon vrai. Parce que l'étranger va venir faire pour nous. C'est nous-mêmes ensemble qui pouvons mettre tête nous ensemble. Un travail, pour nous coller les épaules, pour nous péter coller les clôt. Que, ou t'es différent avec hier, mais je dis qu'on est. Haïti besoin, moun ki nan ekip pa nou tout. Même j'ai Haïti besoin, peuple a besoin. Mais pour nous tout faire yon, pour nous capables de mettre le pays a, sur route changement et développement tout bon vrai. M'a dit nous, c'est pas occasion pour nous parler de ça. Mais m'a dit nous, que m'a toujours dit, chaque temps de l'occasion pour dire, que Constitution 1987 ça, songez ou même sortez dissoulé. Songez sortez dissoulé. Ça veut dire ou dit, que n'est pas bon. Mais je dis à Minoué, parole qui parle pour changer la constitution, c'est un coup son Paul qui va jamais balan dans le pays. Moi-même, je fais campagne, je dis pendant toute campagne que la constitution 1987, le pays n'a pas continué sous lui. Je vais même prendre un exemple de l'autre pays. Parler de, par exemple, États-Unis, qui dit que son États-Unis ont une constitution, mais il y a 27 amendements ou bien 28 combien qui fait sous lui. Ça veut dire. Progression scientifique, avance technologique, oblige nous que loi nous yo adapté à l'époque que nous vivons là. Je dis tout le monde, à la honte d'abord, nous avons que nous suspendions ça pour nous parler de constitution Jovenel Moïse. Si c'était constitution Jovenel Moïse, nous avons un décret en Conseil des ministres, mettons l'autre constitution. Si c'était constitution Jovenel Moïse. C'est la constitution PAO, ou même qui te fait document. Je m'attendais dans ces documents. Je m'apprends avec des gens qui ont parlé. Tout ça a dit, il y a un texte, ça. Deuxième draft texte, ça.
je dis à. Et pourtant, il n'y a pas de constitution. Parce que peut-être son petit pays a sorti loin. Qui vient parler de grosses paroles, ça. Mais pas oublier. Grosses paroles, ça me parle. C'est lui-même qui a pris le courage pour te parler. Mais c'est lui qui a pour nous parler aujourd'hui. Parce que faut que lui parle. Et ensemble, pour nous mettre main. Pour nous bailler pays son chance pour 35 ans qui sont venus. Parce que 35 ans qui sont passés, nous avons perdu. Dans la bataille, nous avons un club. Non. Goumé, non fait 4-5 élections. Chaque élection que fait dans le pays, il a contesté. Je dis encore pour comprendre, l'élection ça qui va le faire là. Là, pour le coûter le pays, il y a 125 millions de dollars. Et on préside parfois, il y a pour faire 3 élections. Ça veut dire calculer. 125 millions multipliés par 3. Ça va 375 millions de dollars. Ça veut dire, je dis, si nous mettons tête nous ensemble, nous disons qui ça nous voulait pour le pays. Nous disons que c'est chaque 5 ans qu'il y a une élection dans le pays. L'agent ça, il n'y a pas le construire l'école, il n'y a pas le construire l'hôpital, centre de santé, il n'y a pas le construire bon genre central électrique, hybride, qui marche avec gaz naturel, avec soleil. L'agent ça va construire un gros réseau électrique national qui pour faire que le pays, même avec tout notre pays sur la terre, aura un courant. L'agent ça va construire route, l'agent ça va construire bon genre barrage d'irrigation, même genre ça fait dans Marion. Il n'y a pas de construire barrage, même si ça a fait dans la tannée, dans le massacre. C'est pour ça que je dis, je dis, c'est pour nous suspendre, dire, ça n'est pas bon. Mais c'est pour nous qui proposition nous fait. Et c'est ça qui est politique. Je dis à M. Pouvoir, ou même on a l'opposition. Mais on est là pour faire des propositions parce qu'on a l'opposition. Même moi-même qui suis au pouvoir, je dis, moi je suis là pour m'exercer. Ça veut dire pour me faire ça qui est bon pour le pays. Mais nous-mêmes, nous là pour faire des propositions, là, nous mettons tête nous ensemble pour nous faire des choses bon pour le peuple. Haïti nous réveille, nous tous, nous rejoignons. Paysans, diaspora, jeunes, femmes, moment arrivé. Les arrivés pour nous dire nos panneaux. Et moi, nous, c'est lui-même que tout le monde va l'obliger de respecter et marcher d'elle. Parce que la démocratie, c'est voix majoritaire, c'est lui-même qui prime. La majorité a parlé, tout le monde suppose attendre. Et c'est ça que vous faites. Ce n'est pas voix minorité qui prime dans la démocratie. Là où la minorité ou bien ou fait violence, là ça, ce n'est pas démocratie, c'est anarchie, c'est chaos. Mais démocratie, c'est là nous permet de débattre, il y a un dialogue qui fait, nous respectons pour l'autre, nous gardons l'autre dans les yeux, nous disons vérité aux gens qui permettent que le peuple ça. Si nous sommes capables de souffrir, jeunesse là, qui sans espoir, nous avons bas l'espoir pour le cas de nos pays meilleurs dans 10 ans, dans 5 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 25 ans qu'on venir. Mais pour le faire, il faut qu'il y ait des gens qui prennent courage à demain pour nous faire meilleur coup pas nous. Pour nous dire, oui, il y a une erreur qui se passe pendant 35 ans qui se passe là. Et erreur ça, ou même, ou la donne. Moi-même, je la donne aujourd'hui parce que c'est moi le président du pays. Nous tous ensemble, nous avons une responsabilité devant l'histoire pour nous changer ça et pour nous changer le cognac. Il n'y a pas qu'à attendre. Moi-même, je dis ça, ma foi, expérience unique. C'est moi-même qui côté mieux aujourd'hui comme président du pays. Moi, je dis nous que les choses sont graves en pile. Moi, je dis nous que le peuple, pas qu'à jouer un avenir meilleur, jeunesse, pas qu'à jouer un avenir meilleur, diaspora, pas qu'à jouer un avenir meilleur, femme. Pas de cas de nous avenir meilleur, paysans, pas de cas de nous avenir meilleur avec texte ça. Nous entendons pile pour le parler, nous entendons l'article 284.3, nous voulons dire tout le monde ça. Nous ne voulons pas parler d'amendement constitution. Nous voulons parler de l'autre constitution. Et ceci, si l'homme était dans la campagne, nous avons parlé de constitution, il y a des gens qui comprennent que c'était illégal, c'est pour nous faire peuple à pas de voter pour moi. Je dis à peuple à voter, moi je suis président, 4 ans. Presque 4 mois. Après, je suis 6 jours, 4 mois, 4 ans, 4 mois dans notre pays. Je dis à tout le monde, je prends courage pour me dire la vérité, pour me dire ça m'a eu grave en pile. Ce n'est pas tout bagarre comme chef d'État qu'on a dit, mais extrêmement grave. Et seul gens, nous avons attaqué le problème, c'est le nous mettre les affaires, maman, loi pays en question. Nous jouons moins pour nous doter pays,
dans l'autre constitution, côté tout le monde participer dans le débat ensemble pour nous permettre de nous mettre Haïti sur le changement, sur le développement tout bon. Lavez-moi, mettez-moi sous, mettez la carte sur pas obligé de sortir, suivre toutes les consignes, autorité, sanitaire dans le pays, bien pour bail. Pas oublier, songez bien que le coronavirus, nous tous caprons. Pas de monde dans le pays qui est exempt de corona. C'est précaution pour nous prendre, pour nous protéger tête nous, pour nous protéger les amis nous, pour protéger les familles nous. C'est précaution pour nous prendre, pour que nos avenirs qui sont très proches, dans le jour qui vient, nous passer un moment difficile. Ça. 1er juin, 30 novembre, on connaît ces saisons cycloniques. Les gens qui sont de bord de l'eau suivent tout conseil pour protection civile à bail. Suivent tout consigne ministère intérieur, magistrat, Kazek, Azek, délégué ville, mettez-nous au travail pour nous connaître que nous là pour nous protéger la population dans la zone côté nous. Parce que les affaires cyclones, pour les affaires simples, c'est pour nous battre ensemble pour Haïti nous réveiller à nous construire. Merci un peu. Situation qui a évolué en Matissan, les impacté en pile sous Carrefour et sous le Grand Sud. Mais Carrefour de manière particulière, c'est ça que fait, et nous prenons toutes les mesures au niveau mairie Carrefour pour nous garder comment nous devons réagir et préserver la sécurité dans la commune. Gagne un peu de monde qui sorti Martissan, qui quitte tout ça où tu es gagné, ou bien qui paye du haut, qui était réfugié sous place Flamara 43. Mais nous connaissons sur le plan juridictionnel, Flamara 43, et place là par relevé de compétences, nos Carrefour, de mairie Carrefour, de même magistrat. Mon intérêt, les collègues, mon Luxon Janvier, qui était dépêché, et comité local protection civile lié au niveau Martissan 23, qui a commencé le travail, et j'ai une autorisation, vous n'avez commencé à intervenir, dans poté au minimum de secours by Mounsayo. Et jeudi après-midi, qui était en pile panique depuis mercredi à jeudi, mon yo pas de cadomé sur place là, c'était une rumeur qui te dit que vous allez envahir, et en pile là-dedans, vous êtes réfugié dans l'église Mont-Carmel, au niveau de Bison 53. C'est un comité de jeunes et de personnes responsables dans un nom de citoyens honnêtes qui étaient pris en charge suite à un geste de solidarité et d'amour sans pareil que Père Saint-Ville et curé paroisse Mont-Carmel a témoigné en faveur de mon salut lorsqu'il a ouvert la porte de l'église là et tout est entré là moi un vendredi. Moi, un vendredi après-midi après que j'ai alerté moi. Et nous sommes intervenus pour nous prendre en charge par le comité d'accompagnement pour au plat chaud, distribution de kits d'hygiène avec quelques partenaires au niveau Carrefour qui étaient de nous, tels que Centre diplomatique Famille Tabernacle de l'Orange avec Pasteur Jean Hider, Radio Lumière et l'Exadio Lumière MEBSH avec Pasteur Samson Dorilas, Tegadra. Et d'autres partenaires qui participent, l'autre groupe organisé Carrefour de jeunes qui était pour rad, ça a gagné par un véritable mouvement élan de solidarité municipale et qui fait que Carrefour Jodia, c'est une ville hospitalière, solidaire et résistante. Hier après-midi, qui était dimanche là, nous étions obligés de procéder à relocalisation dans le gymnasium de Carrefour là. Sur instruction du ministre de l'Intérieur et du ministre en charge des questions de jeunesse et de sport et au niveau de MJSAC. Et jeudi à depuis hier soir, c'est la mairie qui prend en charge et nous fait manger pour eux, nous baillons ça non gagné. Nous nous mettons en place une cellule de crise qui a coordonné réponse humanitaire là. Et c'est protection civile, mairie Carrefour, Croix-Rouge Carrefour, sapeurs-pompiers, mairie Aïdic, chef social qui a assuré et réponse avec partenaires tant que UNICEF, OCHA, et tant que ADRA, tant que le PAM
qui prend engagement au bas non ratio sèche pour mériter qu'il y ait plus de possibilités d'assurer l'alimentation mondiale. Qu'on y a, nous à la recherche de d'autres produits, d'autres matériels, tant que laine, tant que on voulait dire et matelas et kit d'hygiène et parallèlement à crise humanitaire ça donc on est que une crise sanitaire qui griffait et sous lit et ça fait n'a prend pile mesure pour nous assurer que le travail ça allait bien fait. Par contre jusqu'à présent nous pas gain cache-né pour nous mettre pour bailler mon yo et gain appui psychosocial que mairie à travers direction affaires sociales direction protection civile commencer bail et Croix-Rouge tout ça tout. Effectivement, c'est une structure qui est bien huilée, que nous mettons en place, qui peut faciliter que nous une réponse appropriée à problème mounio. Par contre, réponse en lui-même, c'est pour nous humanitaire, c'est-à-dire que c'est ça, c'est minimum ça que nous avons fait. L'autre gros dossier, lié à la charge du pouvoir central, que la mairie n'a pas moyen pour lui intervenir. Demain, nous avons rencontre au sommet avec les partenaires internationaux, tels que le coordonnateur humanitaire de Nations Unies en Haïti, coordonnateur OCHA qui a plat, et UNICEF, tout ça pour nous faciliter que gagner échange qui fait sous situation mondiale et commencer à comprendre qui réponse plus durable capable de commencer à bailler, ou bien gagner pour bailler. Donc la mairie de Carrefour entend continuer pour te supporter bailler les matissants qui sont en difficulté, parce que Carrefour, j'aime toujours dire, c'est une ville, trois mots caractérisés, sa résistance, sa solidarité, et son hospitalité. Haïti est en crise. C'est mission OEA pour venir jouer rôle médiation dans le protagoniste pour nous une solution avec crise qui atteint plafond. Mais n'a dit OEA attention. Faut que démarche là son démarche inclusive. Il faut que toute partie politique là-dedans. Bon ensemble de partis politiques, bon ensemble de leaders politiques, c'est eux-mêmes qui tournent tout pouvoir, c'est eux-mêmes qui font paraître tête, présenter tête comme les sauveurs d'Haïti, c'est eux-mêmes qui les seuls négociateurs. Je dis à nous-mêmes, ensemble de jeunes partis politiques qui revendiquaient la construction de un Haïti progressiste, un Haïti moderne, qui incarne l'idéal désaligné, un Haïti qui doit chita sous justice sociale, sous la fraternité, sur la solidarité, sur le bien-être collectif, nous-mêmes, parti politique SAO, dont parti ne lance pas, nous réclamer présence nous sous table dialogue avec OEA. Parce que nous n'avons pas de problème pour tout le temps, ancien parti là, parce que nous avons prêché dialogue. Dialogue inclusif. N'a demandé autorité politique qui en charge pour planifier différentes rencontres OEA a bien pour faire avec différents secteurs dans le pays. N'a demandé pour faire en sorte que pour démarcher yo inclusif pour forcer des démarches qui inclusive pour c'est pas un petit groupe. Le pays nous appartient, le pays n'appartient pas à seulement les leaders politiques qui se font passer pour les seuls négociateurs, pour les seuls sauveurs d'Haïti. Alors que vous êtes sénateur déjà, vous êtes député déjà, vous êtes ministre déjà, vous êtes peuple à te bailler au pouvoir déjà. Je dis, ya, comme nous tous coupables,
faut que nous tout chita autour de table là pour nous décider qui s'en a fait avec pays là et faut qu'on bagaille qui fait avec pays là. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'ai branché. Pas oublier vous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer petite cloche là. Les nous la grande vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin de chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin, bon matinée.